L'entreprise Carof a démarré, ici c'est le berceau de l'entreprise, en 52-53, on pourra déterminer exactement si vous voulez l'année. Toute la famille au départ s'était mise au travail, dans le béton, monter des cuves, vraiment dans une période où personnellement on n'y connaissait strictement rien, si vous voulez au départ. Hein. Gilbert Carof, qui était lui plus vinaigrier du fait qu'il avait appris le métier chez Louis à Bordeaux, ça lui a donné l'idée de monter cette affaire à Nantes. Donc lui guidait un peu plus, si vous voulez, les pas des premiers ouvriers de la société. C'était donc l'époque des épiciers en gros, point de distribution. Et il s'était déclenché une bagarre effrénée parmi les vinaigriers, qui à l'époque étaient très nombreux. Sur Nantes, il y avait sur Nantes trois affaires, trois vinaigreries. Sur Angers, une vinaigrerie. Sur Ancenis, il y en avait une qui avait disparu au départ. Et ça s'explique, si vous voulez, les nombreuses vinaigreries sur le secteur, parce que le vin venait donc par Saint-Nazaire. Et prenait la Loire pour rejoindre Orléans, qui était le berceau de la vinaigrerie. Donc la concurrence lancée par la vinaigrerie de Bretagne, qui s'appelait vinaigrerie de Bretagne, a déchaîné un peu les concurrents. La bagarre s'est accentuée. On a donc eu des prix qui ont bien sûr dégringolé. Et donc, ce qui a permis à la vinaigrerie de Bretagne de Carof-Gilbert de monter régulièrement au point de vue production. Et donc, ça a beaucoup déplu aux teneurs de la vinaigrerie, qui était à l'époque, il n'y a pas de secret, c'était Dessaux, la maison Dessaux, qui était sur l'ensemble de l'Hexagone, la marque numéro 1. Ça leur a beaucoup déplu, et ils ont voulu faire différentes actions de dumping. Le dumping, c'est faire des prix très bas dans un secteur déterminé pour désarçonner l'affaire qui est dans le secteur visé. Ils ont réussi à désarçonner la vinaigrerie de Bretagne, qui ne pouvant plus accepter les prix qui étaient faits par la concurrence, ce n'est pas été un dépôt de bilan, mais un arrêt d'activité.